Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit make-up avec la palette Jaclyn Hill Volume 1 dans les tons un peu vert d'eau, bleu turquoise. Donc, on va faire ce make-up ensemble. C'est parti? Alors, c'est parti. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint et j'ai fait un œil. Comme ça nous avance un petit peu. Donc, je vais prendre mon pinceau Fluffy de chez Unique, c'est celui-ci, et je vais prendre la teinte de la palette. Donc c'est, je vais vous montrer, c'est celle-ci, c'est la teinte Cream Circle. Cream Circle, vous avez vu l'accent, hein, au passage, hein, très bon accent. Et je vais venir déposer la matière ici, comme ça, dans mon creux, en faisant des petits mouvements circulaires. C'est pour donner un petit effet flouté. Vous voyez, on ne le voit pas énormément sur l'autre œil, mais si j'avais pas fait ça, ça aurait vraiment été trop foncé. C'est léger, je vais reprendre un peu de matière. Mais on le voit quand même. Vous voyez, ça fait un petit effet fumé. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Maintenant, je vais prendre mon pinceau Crease Brush de chez Unique. Donc, c'est un petit pinceau boule. Et je vais venir prélever un peu de matière. Donc, ce sera la teinte Twerk. Donc, c'est un bleu très foncé. C'est celui-ci, la teinte Twerk. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile. Donc en tapotant, parce que vous voyez que c'est hyper pigmenté. Donc là, j'ai pas mis de brume fixatrice, rien. J'en mettrai après et je vous montrerai la différence. Quand vous venez mettre un peu de brume fixatrice, ça va faire ressortir les couleurs. C'est top. Hop. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Hop, je vais en reprendre un peu et cette fois-ci, je vais mettre de la brume fixatrice. Donc, je prélève et je mets ma brume fixatrice après. Et vous voyez la différence. Je viens en ras-de-cils. Vous voyez, on voit encore un peu mon cream circle de tout à l'heure. C'est l'effet que je voulais, un peu fumé. Je prends mon pinceau fluffy de tout à l'heure. Je laisse tel quel, je ne reprends pas de matière et je viens estomper ici. Hop, là et maintenant, je vais prendre un pinceau plat. Donc moi, j'utilise le Deluxe Brush de chez Unique, celui-ci. Et je vais venir prendre ma teinte préférée de cette palette. C'est ce magnifique bleu turquoise qui est ici du nom de Pool Party. Donc Pool Party. Et je vais venir donc tapoter et fixer avec de la brume fixatrice. Alors, donc je prélève ma matière. Mon petit pool party, je viens mettre ma brume fixatrice et je viens tapoter juste ici au niveau du centre. Vous voyez ce bleu de dingue? J'adore ce bleu.
C'est un bleu turquoise. Ouais, c'est ça, bleu turquoise. Bleu vert comme ça, j'adore. Hop, comme j'aime beaucoup, j'en mets, j'en abuse un petit peu, mais bon. Vous voyez, avec la brume fixatrice, ça fait ressortir les pigments en fait. Et en plus, ça va venir fixer. Hop! Je garde ce petit pinceau et je vais venir en ras de cils ici, juste en dessous. Reporter la couleur. Un petit chouïa. Oui, voilà. Et je vais du coup remettre un peu de bleu ici. J'en ai pas remis sur mon pinceau, hein, parce que sinon. Ouais, voilà, c'est ça, parfait. Je reprends mon pinceau fluffy de tout à l'heure et je viens ici fondre les couleurs. Vous avez vu, c'est superbe. Hein. C'est franchement superbe. Je vais venir remettre légèrement un peu de bleu ici. Mais vraiment tout léger, hein, parce que. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je prends maintenant. C'est un petit crayon pour les yeux de chez Sephora. C'est la teinte, c'est Green Water, je crois que c'est Green Water, ouais. Et je viens le mettre en muqueuse. Alors, il n'est pas hyper, hyper pigmenté celui-là. Mais il fait le job. Il fait le job. C'est ce que je voulais. C'est le principal. Maintenant, je vais mettre mon mascara. Le mascara, je mets le. Alors, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Que j'aime beaucoup aussi. Je l'aime tellement que j'en mets même à côté. Bravo. Bravo Jenny, bravo. Alors, le make-up des yeux est maintenant quasiment terminé. Je vous montre ce que ça donne. Moi, j'aime vraiment bien. Je prends maintenant mon petit pinceau liner et je vais venir prendre la teinte. Alors, c'est la teinte Beam. C'est celle-ci. Non, attendez, je fais cette bêtise. C'est ici, c'est la deuxième en fait. Et je vais venir mettre ça en coin interne. Pour donner un petit effet de lumière, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Alors moi j'adore cette palette, je trouve vraiment que la pigmentation des fards est top, super top, ils se fondent bien ensemble, on a un beau mélange des couleurs, je crois que je l'aime, ouais, j'aime cette palette. Voilà, voilà ce que ça donne. Le make-up est terminé, donc j'ai vraiment fait quelque chose de léger sur les lèvres, du coup comme c'est assez foncé et flash au niveau des yeux.
Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre des petits pouces bleus, ça m'aide énormément, et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. J'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées, etc. Je suis preneuse. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite. Bisous !